Donc, il y a un âge. Et après, on a vu ce qui s'est passé. L'IGAS est grave. Vous avez envoyé, Pape Alenia m'a encore révélé, l'IGAS pour nous inspecter. Les juges qui ont condamné Ousmane, je dis le discrédit sur les institutions par ces procédés-là d'intimidation. Pourquoi? Parce que quand, après une décision favorable à Ousmane Sonko, vous envoyez une mission d'inspection, alors que nous avons condamné, on a tous vu, ils sont devenus chefs de juridiction, voilà, chefs de qui? On a des doutes légitimes pour dire que nous, promotion, c'est parce qu'ils ont condamné Ousmane Sonko. Cette mission de l'IGAS là, très bien. Chez le juge Sébasti, citoyen, une fois qu'un juge donne le droit à Ousmane Sonko, on lui envoie, on le menace de récusation. Pareil, il y a une commission. D'accord. Dans quel but? De le sanctionner. Mais il y a quand même condamné Ousmane Sonko, qui se sont retrouvés chefs de juridiction, cour d'appel et dans toutes les juridictions. Alors, mais pourquoi cette mission est dangereuse? Mais quand on a dit, quelqu'un nous félicite.